On a fait un trade à 16 500 euros. 3, 2, 1. Papito! Merci Skin Monkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MALEXCSGO. Hello, brother. Are you there, Cinco? Hello, hello. How are you, bro? I'm good. Okay, I'm showing you to the stream right now. I'm good. They know we're gonna trade right now. I'm gonna take the kimono gloves for sure. But right now, I want some ruby to go with. I think I'm gonna go with the talon knife. Is that good for you? Yeah, sure. Which one is better? Which price? Give me the price for the both. I'm gonna expect them. It's permanent. It's permanent. So I want the best, I think. I will not change this this trade. It's gonna be my main T-side setup. Okay, then. So here's the first. You should get the 0-0. Well, I'm gonna go for the 5.3k. Yeah, okay. 5.3k plus the kimono. So give me the price on both. And tell me what I should give you. Ça, c'est son inventaire. Ça, c'est l'inventaire de Cinco, ça, les gars. 356 000 dollars. Larson, c'est abusé. Ah, frère, là, on parle vrai chiffre. Hein. Et encore, je te jure que c'est des trades de merde, là. Enfin, c'est des trades de merde. C'est des trades sérieux, mais... Là, on parle de 11 000 euros, tu vois. 11 000 euros, je te jure qu'il envoie des... Tu te rends pas compte, frère. M9. On va voir ce qu'il a quand même. You have like $930 in me, right? Yeah. Là, tu parles de ça, là. Ça, c'est 15 000. Juste le couteau. Enfin, bref, il a des gloves de zinzin, frère. Il a des Delors, il a des Gungir. Il a des Hydra, Factory New, Souvenir. Ah, t'es fou. De toute façon, c'est simple. Regarde juste son inventaire. Rien que là, il est affiché à 350K. Et encore, ça, c'est même pas... C'est même pas précis, quoi. Il y a des trucs avec des patterns un peu plus importants, tu vois, genre ces canifs Doppler, par exemple. Ils sont affichés à 5.2 et il va me le vendre 5.9. The chat is asking you which trade you made that's the biggest. The biggest trade you made. How much is it? The biggest sell. The biggest sell? Yeah. I'm not sure. It's not much. Or the trade. Maybe you just traded like a big one. Maybe you bought or something. The biggest trade you did. It was around 50-60k. 56 000 euros. So not that big. Voilà. Et écoute sa réaction. Ouais, tranquille, pas c'est pas important. C'est pas gros, genre il a dit. Oh. Give me the price on this. Which one is that? I don't know, man. I have the battle scarred one is better. Yeah. I think this is the battle scarred one. No, this is not. This is field tested. If I'm not. This wrong. Is the field tested. Give you me the present. Just put the mouse on the fold so you can see. Okay. Yeah. This is the well worn. I did an inspect on the well worn. You have a field tested one. Yeah. Where is the battle scarred one? Oh, this one is crazier. Well worn one is like 15k. Ça c'est 15 000 euros. Et encore c'est abordable hein, quand tu compares au 40 bits. I think it's affordable when you compare to the 40 bits. Yeah, 40 bits are expensive. Non, je te jure, Feloui, par rapport aux 40 bits, c'est abordable. 40 bits, frérot, t'es vraiment sur des sommes de fou. Hein. Ça commence à 40 000. Regardez son 40 bits Blue Gem là. Which price is that? This is 7.2k. 7000. Ça c'est 7000 les gars. C'est ok hein. C'est le prix de mon temps. C'est le prix du rubis là que je lui achète. Franchement c'est un vrai 80-20. Hein. 80-20, 70-30. C'est un vrai Blue Gem. Rubis. Ah oui. Moi rubis. Hein. J'ai pris rubis moi. Je prends... Tenez je vais vous montrer. J'ai pris celui là. Which items are you trading for both of mine? Et les kimonos, c'est ceux-là, pour aller avec les rubis. Tout rouge. Yeah, kimono full red left side et full red right side. Et là, on est sur 6000 euros les gants. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est 6000 euros les gants. Donc ça ferait les gants les plus chers que j'ai là. Plus cher que les Pandora et plus cher que les Vice. Le E est scratch. Ah ouais, mais frère, si tu veux pas le E scratché, tout rouge et tout, je te raconte pas le prix. Hein. Cinco, what are the price for kimono gloves? Full red left side and right side,
really, really, really clean. Like no scratches. It's just people asking in the chat. I mean full pattern. Like the one I take. The one you take, probably it's 50% more expensive because it's clean. Yeah, it's gonna be like more than 10k, right? 12k maybe? Bah, overpay de fou. Entre 9 et 10k, il a dit. Moi, là, c'est 6k. Pour ça que je vous le dis, c'est... Je joue à des détails, mais vraiment, des fois, la valeur, elle double, ne serait-ce que sur un petit détail. Donc, c'est pour ça que je prends à chaque fois des trucs, genre rapport qualité-prix de zinzin. Genre mes vices comme ça, juste scratché ici, à peine, c'est le meilleur rapport qualité-prix, tu peux pas faire mieux. Au-dessus de ça, ça vaut 10 000. Et alors que là, ça vaut 5 000. Mais Pandora, c'est pareil. Si tu veux mieux que ça, faut aller sur des minimalware, c'est 12 000. Là, ça vaut 5-6 000. Ouais, il se fait une marge dessus, c'est sûr. Mais c'est le paiement, c'est normal. People telling me that you're taking a cut on this. I said it's normal, it's your paycheck. When you're looking for a skin, you grab the good skin, you trade, you take a lot of money payment, like skins, Bitcoin, Wirebank. It's normal. It's 5%, 1%, 10%, depend on the... On the trade, yeah. You make, and et des fois il hold des skins et après il les revend. And sometimes like you just hold skin, you buy them, you hold, it's the price went up and then you sell it, right? Yeah. And this is your value. Voilà, c'est dans ce délire là. Donc des fois il avait acheté des petits skins, ça va rester dans son inventaire, il va revendre parce qu'il aura fait des plus-values parce qu'il va acheter des bons skins et tout machin. D'ailleurs des fois il m'a donné plein de conseils, il m'a dit achète ça, ça a bien monté et tout. Même pour moi, il m'a mis bien. Et des fois, c'est juste des demandes. Comme moi, c'est moi, je lui ai demandé les skins, tu vois. Je lui ai dit, je veux des kimonos comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il est allé me les chercher et il va me les revendre. Donc, c'est comme un mandataire dans les voitures, tu vois. C'est un middleman ou un agent immobilier, tu vois. Tu dis, bonjour madame, je voudrais tel appartement, telle maison. Bah, il prend son petit pourcentage dessus. Et en vrai de vrai, sur des skins à 5000, 6000, il va peut-être te prendre... Il va peut-être te prendre $200. C'est pas énorme. C'est son paycheck. C'est normal quoi. Look at my trade and what I put. Tell me what I should put more. I think I give you like great skin. Like up fade, classic fade. The price will go up. I give you a good butterfly. Good butterfly fast too. Or maybe it's just shit. To you, maybe it's just shit. I don't know. No, they're good. Okay, let me calculate. Yeah, go calculate, brother. Mon setup vice. Talon fade, je le kiffe de fou. J'ai envie de lui montrer mon combo et de lui demander si je devrais prendre un 99% fade. I have this setup on City Side, Vice and Talon fade. Should I upgrade this fade? Right now, I think it's 90. What? Maybe it's 93%. You can get better fade knife. It would be nice. Yeah, this is what I'm asking. I should get like a better. I have Karambit as well, but I prefer Talon knife. I don't know why. Mine is 84%. Do you have like a 92%? No, not Talon. I have 99% Karambit. Yeah, but that's crazy expensive. Tell me the price. Ah, lui veut me vendre des trucs de fou là, les gars. Oh yeah, that's crazy. That's completely crazy. Ah là, c'est Jesus Christ. Là, c'est waouh. À full rose comme ça là, 40 bits. Ah oui. Attendez, il va revenir avec le prix. Il va revenir avec le prix, on va aller se coucher. Attendez. Parce que là, il est full rose de zinzin. Bien jaune ici sur la lame, j'adore moi quand c'est jaune comme ça là. T'as un peu de violet quoi. À peine du violet là un peu. Yeah, 40 bits is crazy. La flotte est propre, y a pas de scratch. It's 3.8k. 3.8. Yes. I think I take it. 15 300. Faut que je monte ici à 15 300. Donc il va me donner le prix de mon classique, peut-être un peu plus cher. Les kimonos sont plus chers. Peut-être le P2 là il est plus cher. Ça c'est de la zub. C'est un 80%. Ça c'est de la zub. On va voir. Donc là, il faut que j'augmente, je pense. Là, c'est sûr, à 100%, je prends Ruby Kimono. Ça, je prends Ruby Kimono. Là, on rajoute le 40 bit fade pour aller avec mes vices. Tu vois. Et dans 3 mois, 4 mois, une fois qu'on aura bien braqué K-Drop, je vais prendre un Saphir. Je vais prendre un Saphir. No, I don't think so.
Okay. I'm gonna let to my viewers. It's 1.3. Okay, so missing 100, right? Yeah. So give me for. I don't know if I have like 100 right now, because it's just small skins that I do giveaway for the community. So I don't want to trade it. Look at my account. I have this on Kdrop, on Kdrop, and I should like withdraw it. It's okay? Yeah, we can handle the $100 later, no problem. It's okay, you know me. I can give you in Bitcoin or it's okay. So, no, les gars, je me fais pas arnaquer. People are telling me like I'm getting scammed because like on my side it's like 13k and on your side it's 9k. Non les gars, c'est y a pas des évaluations. Le 40 bits c'est 4K, les gants c'est 6K2 les gants et ça c'est 5K3. Il m'a arrangé même sur les prix. Je vous jure qu'il m'a levé, il me prend pas de commission et tout de fou genre. Je vous jure c'est des prix. Il m'arrache, je vous jure qu'il me met bien. Oh this flip is shit. I should trade it. Or maybe I give you the flip and I remove this ruby and I take the better one. 0.00. Yeah. Yeah. No, it's kind of. I'm gonna take the better one. 0.000. So is that good like this, or you owe me money on this? I don't know. That is fine, and you don't owe me anything. Yeah, you're scamming me a lot, but I'm okay with the scam. I'm big scams. 3 skins for the chatbot. Yeah. Voilà, les gars, donc je fais le trade comme ça. Voilà, j'ai pris le rubis 0.08 la flotte. C'est un top 100. C'est un skin vraiment dans le top 100. Alors actuel, il est top 83 dans le monde. C'est la 83e meilleure flotte in the world. Ça, on est pas mal. Des trades au prix d'un T-Max. J'avoue, là, le trade, c'était combien là? Parce que j'ai augmenté. J'avoue, j'ai 16 500. On a fait un trade à 16 500 €. 16 500 euros, c'est une folie. Hein. 16 500 euros, c'est incredible. C'est bon, le trade a été accepté, les gars. Jesus Christ. On va aller équiper ça. Let's equip, my friend. Voici mes nouveaux skins. Talon Ruby, top 83 flotte dans le monde, 0.002. Des kimono gloves, full red, main gauche et main droite. 0.15 de flotte. 40 bit fade. Donc, on va équiper ça pour le side CT. On va équiper ça pour le side Tero. Bon, moi, je joue en 4 tiers. 1280-960. Donc, c'est pas la folie. Hein. On commence par le side Tero. A.K.A. Rolex Kimono Talon Ruby. Je crois que c'est le côté le plus cher. C'est vraiment le côté le plus cher. Ok, 3, 2... Hein? Papito! Rolex en or, full main gauche en rouge, full main droite en rouge. Ah là c'est... Gold arabesque. Talon rubis comme ça. Voilà. Là on est sur la lune là. Et maintenant pour le side CT. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. You see, I told you. It's sexy. Ah vraiment il look trop bien genre. La pointe jaune. On voit même pas le violet. Le 40 bit est incroyable. Le 40 bit est trop sexy les gars. Il y a 40 bit devant le talon knife. 40 bit better than than talon knife my friend. Much better. Next step les gars. Next step c'est mes Pandora avec une M9 Saphir. Comme ça j'ai 40 bit, talon ruby et genre M9 Saphir. Genre I said like next step, I need to do a setup with the Pandora gloves, M9. I think I'm gonna take an M9 Sapphire. Okay, Cinco, thank you very much for the trade. So we owe you on this, thank you very much. And I'm gonna get back at you when I take again like some skins from Kdrop and gonna trade some more Sapphire stuff. And if you have like Stiletto Sapphire, I think I'm gonna take it anyway. It's cheap, right? Give me the price. Yeah. It's 4.7k. 4.7. Okay. I think I'm gonna take it at some point. Like right now, I don't have the... Maybe I have. Like if I just like... in 1 or 2 weeks, we're gonna do some more trades. It's okay, brother? Yeah, sure. No problem. Thank you very much, bro. Have a good day. I'm gonna leave you. Thank you.